Alors, je m'appelle Sylvie Dia, je dirige un centre d'entraînement intensif en technique de vente. Notre métier, c'est d'accompagner des forces commerciales, mais aussi des dirigeants, dans l'optimisation de leur performance commerciale pour les rendre plus à l'aise lorsqu'ils sont en face à face avec des clients, plus à l'aise dans les démarches de prospection, de négociation. Voilà, chez Booster Academy, on accompagne toutes les étapes de la relation client. On s'adresse évidemment à des forces commerciales, mais plus largement à toute personne qui est en relation avec un client. On accompagne beaucoup de profils techniques, je pense à des informaticiens, je pense à des métiers de la construction, des gens dont ce n'est pas le métier de vendre, mais qui sont en relation avec des clients tous les jours. Et le contexte actuel, qui est une pénurie de forces commerciales très très importante en France, fait qu'aujourd'hui notre valeur ajoutée, c'est aussi de pouvoir créer des compétences là où elles sont manquantes. Beaucoup d'entreprises ont fait le choix de faire évoluer en interne des collaborateurs plutôt techniques vers des fonctions commerciales. Et notre plus-value à nous, c'est de pouvoir aider ces personnes qui n'ont jamais eu de formation commerciale à devenir plus à l'aise, à être plus sûres d'elles aussi, et puis à pouvoir accélérer la performance de l'entreprise au niveau qu'elles occupent également. Alors, j'ai rejoint le MEDEF dès que j'ai créé mon entreprise. Je trouvais important de pouvoir aller sourcer de l'information qui aujourd'hui est importante pour un entrepreneur, qui plus est une petite entreprise. J'ai vraiment été convaincue de la valeur ajoutée du MEDEF, notamment pendant la crise sanitaire, où le niveau d'information, la quantité d'informations qui nous étaient transmises en tant qu'adhérents était vraiment très très intéressante. J'apprécie aussi beaucoup les événements très qualitatifs qui sont organisés par le MEDEF, avec des intervenants qui sont vraiment très pertinents et qui apportent aujourd'hui à une entreprise un niveau d'information intéressant. Et puis c'est aussi l'occasion d'échanger avec des pairs sur les problématiques que nous partageons tous.